Messieurs, dames, bonsoir. Vous savez, en fin de semaine et après notre match face à Montpellier, qu'on avait quand même emporté 5-2, il y a eu évidemment tous les débats et volontairement, pour une fois dans ma carrière, j'ai suivi tous les débats. Mais j'ai senti rapidement, en début de semaine, lors de la première séance, que ce qui s'était passé était resté derrière. On a eu une semaine parfaite dans le travail, parfaite sur le plan de jeu, parfaite sur l'intensité et sur ce que devait être une équipe, le comportement que devait avoir une équipe. J'avais aucune appréhension avant le match, mais il me tardait de voir si cette semaine parfaite allait donner un match parfait. Ça a été le cas. On essaie de trouver le meilleur équilibre possible. Les trois, que ce soit Léo, Kylian ou Né, ont joué comme ça aussi la saison dernière, mais dans une autre organisation. Cette organisation me paraît la plus adaptée au profil des uns et des autres. Et ce soir, ils ont joué les uns pour les autres avec beaucoup de plaisir. Il y a des images très marquantes sur le terrain où il y a eu des efforts faits de manière collective, même quand le match était quasiment plié. Il y a eu beaucoup de replis défensifs, des courses défensives, et ça c'est important. Mais il y a eu aussi beaucoup de complicité entre eux. Évidemment que tout le monde a eu sa part de travail et tout le monde a fait un très bon match. Mais j'aimais aussi la manière dont ils se sont exprimés et l'envie de jouer ensemble les uns pour les autres. Si de la vitesse, on me posait souvent la question, est-ce que ça allait être difficile d'intégrer Kylian avec les performances de Léo et de Ney quand Kylian était absent? Il n'y a aucun entraîneur qui peut vous dire que c'est difficile d'intégrer Kylian. Merci à tous. Merci à vous.